Hello. On baisse le son. Encore un peu. Hop les. Ah, je suis d'humeur ce matin. J'ai pas hâte d'aller me battre. Je rebaisse encore un peu. Voilà. Alors. Tout est prêt, j'étais en train de finir. Regardez les messages que j'ai reçus. Alors, du coup, cette session avec la musique hyper épique derrière, juste pour dire que ça va être une session hyper douloureuse. Je sais pas combien de temps elle va me prendre, il y a moyen que ça me prenne plus de 5 heures. Hier, j'ai réfléchi à comment je pourrais m'en sortir sans que ce soit trop long. Mais en vrai, j'ai pas trouvé de solution miracle. À part, va falloir que je pare tout parfaitement. Et je vais tester Flamberge. D'ailleurs, j'ai un calibre, donc je pense que je vais améliorer Flamberge. Parce que le feu, ça fait mal aux humains. Et l'électricité, bah, aux marionnettes, du coup. Je vais essayer de lancer des consommables. Donc, va falloir que j'aille en équiper, mais en fonction de en combien de temps ça me prend de faire la confrérie, je vais perdre énormément de consommables, mais bon, c'est pas grave, tant pis. Pareil pour. Va falloir que j'aiguise mon arme avec du feu ou. Alors, j'allais dire de l'électricité, mais non, du coup, qu'avec du feu. Parce que l'électricité leur fait pas énormément de dégâts. Ça, parce que je me suis noté. Et bah, ce sera déjà pas mal. Hein. En tout cas, si je m'en sors en termes du combat. Ce qui va juste être chiant, c'est que j'ai une arme. Entre guillemets, qui fait pas de dégâts, c'est pas une arme lourde. Du coup, ça va être pas évident du tout de lui faire des dégâts parce que c'est quand même un gros tank. Mais bon. Alors je réponds juste à un message et on va y aller parce que j'ai hâte de prendre ma sauce. Toutes mes fessées là. J'ai un problème à un de mes yeux. C'est un peu chiant. Je vois pas hyper bien. Je vois même pas du tout en fait. J'ai des yeux hyper feignants et quand ça commence le matin, je sais que j'en ai pour la journée à voir rien du tout, voire être aveugle. Bon, du coup, mon chat s'est calmé depuis hier. Il est tout mignon ce matin. Hop. J'éteins ma lumière. J'ai mon petit matcha à côté. On est parti. Bon, sinon, du coup, je vais me faire ce boss. Dès que le mental n'y est plus, je reset mental en allant Pex. Bon, la zone où on est pour Pex, c'est chaud. Enfin, en tout cas, moi, je galère. Donc on va faire au mieux. Il y a moyen que ça me prenne 5 heures, clairement. Et avant ça, il y a un truc que je voulais vérifier. Allez, le jeu. Ok, bon, avant ça.
retourner dans un endroit. Je crois que par là c'est le plus rapide. Du coup, j'ai récupéré la clé de la Trinité dans ce monde. Et je suis pas allée chercher du coup la porte de la Trinité qui était au niveau de la cathédrale. Du coup, j'y retourne. Comme ça, j'oublie pas. Au passage. De toute façon, faut que j'aille voir Vinini après. Alors, je retourne à l'hôtel hein, pour faire le plan que j'ai eu en tête. Ça va m'échauffer un peu avant le combat. Ça va faire du bien de s'échauffer. Bah, j'y suis allée hier. Vraiment, le gameplay que j'ai utilisé, c'est je vais balancer plein de bombes. Je vais balancer plein de trucs. Et espérer que je lui fasse beaucoup de dégâts à distance. Parce qu'au corps à corps, j'ai juste pas le choix de faire que des parades. Et je peux pas vraiment attaquer entre... Bah pendant un combo, en gros, je peux juste pas attaquer pendant. Donc faut que j'attende qu'il finisse ses combos et je vais mettre 2-3 coups de piqûre. Et c'est pas ça qui va lui faire baisser ses points de vie, quoi. Enfin, surtout pas avec mon arme. C'est dans ces moments-là que je me dis que jouer bourrin, ça peut être une option, quoi. C'est pas par là. Ah oui, j'ai oublié d'aller chercher mon ergot aussi. C'est par où? Un peu gênant là. Il y a une amulette qui aurait été vraiment pas mal que je n'ai pas. Bon, tant pis. C'est peut-être par là. Bon, j'entends les boules. C'est là. Ouais,
la température qui a baissé par ici. Il fait froid. Pas mentir que je me l'écaille pas mal. Et hop. Alors. Du coup, ça débloque juste une tenue. Hein. Je pense que c'est seulement à ça. Une amulette. À ça que ça sert les. Les portes de la Trinité. C'est quoi déjà cette amulette? Et je pense que je vais changer cette amulette parce que contre les lampes noires, ça change rien. Oh, va voir, je vois. Bon, du coup, la tenue. Là, j'aime bien aussi cette tenue. Elle est jolie. Je vais la mettre. Allez, ouf. Ah, peut-être l'amulette d'endurance, ça peut être pas mal parce que, alors, il est. J'ai regardé, j'ai pas mytho, j'ai regardé des gens faire le combat hier parce que je pense que je m'y prends très mal et vu que c'est mon premier soul, j'imagine que l'idée d'avoir plusieurs ennemis pendant un combat de boss, ça vient pas de Lies of Pi. Donc je suis allée regarder plusieurs personnes le faire, voir comment ils s'y prenaient pour gérer plusieurs ennemis, clairement. Et du coup, y en a qui sont juste hyper skillés et ils sont en mode osef tir. Ils foncent sur l'aîné et ils le déglinguent. Et ils partent tout parfaitement. C'est pas mon cas, hein. Soit il y en a qui jouent lâcheté et ils balancent plein de trucs tout le temps. Désolée. Bizarre, ok. Je me fais embêter par quelqu'un. C'est tout. Alors Zou. Et bien du coup il est day, c'est day. À l'hôtel. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Pas récupérer mon ergo, mais je vais y aller juste après. Alors, du coup. Alors. Déjà ça, j'en ai pas besoin. Ça, j'avoue que j'ai aucune idée de comment. Comment la sortir. Donc, déjà. Ici, est-ce que j'ai. Quoi, lancer des trucs.
On va prendre ça. Et... ça, ça aurait été pas mal, je pense. Je sais pas combien... enfin, à quel point ça fait des dégâts. Mais du coup, on va prendre... ça. Est-ce que ça... j'en ai un peu plus? J'y crois pas. Arrêtez de m'envoyer des messages. Ensuite ici, donc toi on va changer la pierre. J'ai mis dit j'ai pas trop le choix. Et alors là. Ça, ça fait pas mal de dégâts. Le poids aussi. En B et B ça. J'en ai peut-être pas beaucoup. Je vais prendre des tuyaux. Ensuite. Je vais améliorer flamberge. En marchant. Ah, c'est pas mal ça. Peut-être rester à distance un peu. Du coup. En fait, celui-là est bien pour ramener les ennemis. Et flamberge va être bien pour faire des bobos. J'ai testé avec flamberge. En plus, en termes de poids, c'est équivalent. C'est 3 grammes de différence. Ok. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Ensuite. La pierre, c'est vrai. I always welcome friends. Comme ça, elle est sur moi. Dommage qu'on est obligé de garder Gemini avec nous. Ensuite, regardez les amulettes. Je vais enlever celle-là parce que de toute façon, c'est pas des marionnettes. Non, le poids, non. Osef, les PV. Alors, je... est-ce qu'il serait pas temps, peut-être, d'en reprendre une, mais j'ai peut-être été un peu trop loin. C'est quoi ça? Monte à 13, je serais trop lourde. Et toi? Non. Donc j'ai pas du tout... j'ai pas l'amulette qui recommande pour le combat. Je sais pas du tout où elle se trouve. Ça fait rien. J'ai les fractures. Les frappes. On va mettre celle-là, je pense, la patience. Prendre patience et si ça me saoule, j'irai changer pour de la vie.
En plus, je suis à 59% à dépasser 60. C'est dead. Allez. Je pense que je vais aller Pex une fois. Je vais chercher mon ergot Pex dans la zone. Et ensuite, je vais aller au combat. De me chauffer un peu. Elle récupère tellement plus vite. Oh, merci du follow, Favour Nelson. T'es venu lui. Oh purée. Ça va. Je sais pas combien j'ai en tout de... Si j'ai assez de consomme pour faire refaire plusieurs fois le fight. Ouais, je clean tout ça et puis c'est bon. J'ai ma fable de prêtre en plus, c'est parfait. Si lui là-haut il vendait des trucs intéressants en termes d'amulettes ou pas, mais bon, tant pis. Et hop. On est parti. Alors le plus drôle, par quoi on commence? On va faire ça. On va hop. On va apprendre les patterns. Donc là, il est en feu, c'est pas mal. Et là, ça va être chiant. Je connais pas les patterns de tous les petits lapins. J'ai plus de feu sur l'épée. En fait, ça va être eux les plus chiants, je pense. Ok, c'est bon. Oh, parfait ça. Il y a l'autre là. Là, ah, dommage. Celui-là, si je l'avais évité.
Ah, c'est dommage. Yes. Combat, j'ai compris, il faut pas être. Oh non! Oh non, lui. Bon, lui, j'ai les boules là, clairement. Putain. Je me casse. Ah, je suis coincée, ça va être chaud. C'est bon. Ok. Let's go! Oh, le first try, fou! Pas pour aujourd'hui en tout cas. Alors, j'ai pas mis tôt, je tremble de fou. Je l'ai même pas vu. Alors, on reprend contenance. Prendre un peu de matcha. Bon bah ça va. J'avais un PV. Pas dégueu. Bon, on va rechanger tout ça.
va me falloir de la tribu. Moi, je pourrais garder hein, un truc comme ça. Oui. Fouh. Mon petit cœur un peu plus de ce boss. Toujours sympathique. Allez. Peut-être changer le titre du live du coup parce que c'est moi qui ai donné la fessée. Ah oui. Là, la dernière fois, enfin moi sur ma partie, je venais à peine de récupérer ça. Hey, check this out. Looks like you, sorta, from a certain angle. You know, if you squint. No, I'm just kidding. No, it looks exactly like you. I mean, you see it, right? With the nose and the... Right? Je sais pas si on peut le voir. Non. C'est le portrait de Carlos. Zou. Salut. I have no idea how happy I am to see you, Mr. Stalker. Hello. It's a relief to see you. I'll go straight to the point. I found the gold coin tree. Who knew it was right beside us? But there's a problem. When I tried to pick the gold coin fruit, it resisted me. I couldn't even get close. It actually burned me. It's probably because I have the petrification disease. Pathetic, yeah. So close, yet so far. If you pick some gold coin fruit for me, I'll give you a reward. Et parce que lui, du coup. Non, du coup, il faut que j'aille. C'est là. Je vais lui donner les petites pièces.
never expected to see the gold coin tree in a place like this. Et on peut cueillir les fruits. On peut faire plein d'autres trucs. Ouh, c'est intéressant. Stalker, please. If you pick... Du coup. Ah, ça là, je l'ai déjà. On augmente l'endurance max. C'est beaucoup avec le spectre, tout ça. C'est Légion, ouais. La puissance... Ah oui, ok. Là, c'est que du spectre, ouais. Je sais pas si ça vaut vraiment le coup. Hop. Open the door. Je sais plus ce que j'avais dit hier. Au moins, je pourrais monter avant. Je monte à 20 et bah, la suite, ce sera dans la tech. Voilà. Not bad. Oui, ben je... J'imagine que je dois aller voir... chez Péto. Peut-être Antonia. Ah non! Aime-moi, s'il te plaît. Je sais pourquoi. C'est pourquoi il ne veut pas. Yo bro. You're back. The Malam district was as grim as we feared, was it not? But with the Black Rabbit Brotherhood out of the picture, we can focus elsewhere. And why not strike at the root of the problem? The King of Puppet's Lair is on Rosa Isabel Street. Perhaps the puppet frenzy will come to an end if we can take down their king. Go to Antonia and get the key to Rosa Isabel Street. I already let her know you'll be coming by. I always remember these favors you've done for me. It pains me to send someone so precious into such peril. Ça me fume parce qu'il est tout le temps en mode tu m'es précieux, sois un bon petit garçon. Ça pue, vraiment. Ça pue, ça pue. Enfin, moi j'aime pas du tout comment il est. T'envoies ton gamin au cac. Enfin... Bref. Forever. I had no idea the Black Rabbit Brotherhood had stolen it. To think that you have brought it back to me. Forgive a foolish old man his memories. Memories of a happier time, my son.
I know just where to hang it in the hotel. Ça va être marrant. Je peux applaudir. Ça me termine. Facepalm, rien à foutre. Et ouais, lui, c'est un peu rigolo ce qui se passe avec ce tableau. Petite surprise. Parce que tout ça, j'avais déjà vu. Là, j'arrive dans la zone où c'est la dernière chose que j'ai pu... que je sais. Parce que je n'ai pas réussi à combattre le boss. Ah oui. Par contre... Vous allez m'excuser, mais... C'est vraiment cool cette amulette. Hop. Je garde à quoi parce qu'elle est cool. Et est-ce que je... Non, nos flamberges. Bon, contre les humains, c'est cool. J'aime bien aussi. Non, je vais reprendre une minis. Non. Je vais pas me décider. Hello, mamie. From Geppetto. Rosa Isabel Street is ever so dangerous, I'm told. I hoped we wouldn't have to unlock the passage there. But if we want to stop this disaster once and for all, I fear we've no choice. Geppetto and I care about you very much, you know. Stay safe. For both of us. I feel like my time is soon coming to an end. However, it's a nice feeling to know that someone waits for you. That someone cares. Please take care out there. Et là, le truc trop drôle. Je sais plus où... elle est où l'entrée déjà? Ah, la porte, c'est vrai. C'est bon, je m'en souviens. J'avais mis tellement de temps à trouver où était la porte en question. Elle est juste là. Open the door. J'ai l'impression qu'il va péter les portes à chaque fois. Ah tiens, les portes de la Trinité. Du coup, j'imagine qu'il y a trois portes. Et que j'en ai ouvert deux. Et là, on va arriver à l'endroit où il y a mon arme préférée. Pour le moment, vu que j'ai pas... énormément avancé. Enfin si, j'ai bien avancé dans le jeu, mais je suis rendu au boss de cette zone là, donc c'est un truc c'est le roi des marionnettes. Rosa Isabel Street, the entertainment district. You might call it extravagant. Operas, operettas, street concerts, all running 24/7. Adelina Corday, the singer in the red dress. Oh, she was the most famous of them all. The legendary prima donna.
Well, I'm not sure if she's still alive, so while the past tense makes sense, it's... Yeah, it's getting a little depressing. Mais non. T'inquiète pas. Aïe, purée. Me pique. Toujours malade. Il y a moyen que dans cette, enfin, cette zone, on va la refaire souvent vu que je vais pex ici. Même sûr. Tout le monde est en train de die. Nous on est tranquillement dans les rues, on est en mode chillax. Oui. Et c'est rigolo. Oh, my stalker friend. I was worried the puppets had come back. They're demons. They won't give us a moment's peace, even an elderly lady like me. Pas très gentil. They wouldn't even let the dead rest if they had the petrification disease. Drives a lady to drink, it does. Which reminds me, I could use a proper tipple. There's a wine called La Bleuie. When I was younger, they called it the Ruby of the Heavens. I'm sure there's still some left in the wine cellar at Lorenzini Arcade. You're an enterprising lad. Bring it to me and I'll give you something nice in return. Bon, meurs pas avant, quoi. Alors. Ça manque de dégâts. Let us go. On est en train de tout récupérer pour build ma petite arme. Là, je suis trop contente. Femme heureuse. Ça va être rigolo aussi. C'est pas pour ça. Et lui là-bas là.
Coucou. Boum. Et... voilà. Technique de lâche, je recommande. Pas mal joué comme ça. Hein. Oh merde, elle est là-bas. J'ai trop hâte. En plus, je la trouve trop belle, la rampe. Enfin... alors, je me pose pour lire tous les petits journaux. Ah, eux, ils me dégoûtent. Oh. Ça me dégoûte. Ça s'écrase pour le coup. Hein. Alors, pas mal d'ergo là. Mmh. Je peux refaire. Un bras. Pas du tout. Tac. Me taper elle. Pas les enfants, hein. Ça va pas, hein. J'ai tout. Aller chercher mon arme. Ici, ici. On va aller la chercher, on va back pour l'augmenter. Et après on va aller faire un... on va rencontrer quelqu'un. Et j'apprécie énormément ce moment, je trouve qu'il est hyper poétique. Enfin, ça regarde que moi. Hein. La définition de, du terme poétique... c'est vrai qu'il est chiant. Je l'ai cherché. Ouais, pourquoi c'est bien. Je me suis trompée. Ah, viens là.
Let this go. Et voilà, l'épée de la danseuse. Est-ce que par contre je suis capable de la porter? Je suis un peu lourd. Bon. De toute façon, je dois back. Il n'y a pas de Stargazer ici, je crois. Non, il n'y en a pas. C'était encore un peu plus haut. Ah, c'est pas non plus si loin que ça. Un peu quand même, hein, ça fait une traite. Hop là. To the hotel. On va voir si... je peux vous montrer un truc. Qui est chez Gepetto. Ah mince, j'ai pas vu. Ah, dommage. J'avais un pote qui était en compétition hier soir et je l'ai pas vu. My bad. Alors par contre, du coup... D'ailleurs, je voulais changer parce que... Là, je vais pas en avoir besoin. Il y a moyen que ça si par contre. Ouais. Hop, hop, hop. 1% trop lourd. Tac. D'ailleurs, je vais reprendre Flamberge. Au vu de ce qui m'attend. Même si bon, ça va, le combat, la première fois que je l'ai fait, il s'était pas trop mal passé. C'est qui est lourd en fait. Pas grave. Oh. J'ai compris. Oui, je peux fabriquer. Alors. Là, je vois souvent beaucoup, enfin, je vois beaucoup de personnes jouer la lame d'os, enfin la lame de scie à os. Je me dis que c'est peut-être une très très bonne arme. Après, elle fait énormément de dégâts, donc oui. On va hyper vite rattraper. J'ai déjà plus de dégâts que... mon autre arme. Je me pose la question. Oui, c'est une arme entière, je crois. Oh, je dis des bêtises.
assembler des armes. Pour l'instant, si je mets ça avec ça, ça me fait plus de dégâts. Mais je crois, si j'ai pas de, technique, je prends Ashley 1. Je crois que je suis pas lourd. Ouais, je suis pas lourd du tout. Je vais acheter une... Enfin, je sais pas si j'ai assez. Deux techniques. Voilà. Et... J'augmente à 100. Maintenant. On est pareil. Les deux sont à 100, donc c'est cool. Mais trop stylé. Bon, en vrai, je vais pas attaquer maintenant. J'ai gardé l'autre quand même. Je vais me garder l'OTP au cas où. On sait jamais. Ça, j'en ai une autre au cas où l'autre pète. Je suis encore un peu trop lourd. Je l'avais jamais vu le chat avant. Ok, donc c'est pas maintenant. Tant pis. Je vais quand même baisser le poids parce que j'aime pas quand je me sens tout lourd. Il y a des sons trop trop bizarres dans mon immeuble. On est hyper, hein, c'est hyper mou. Kipouf. Oh, j'adore cette arme. J'aime trop la sensation. Thank you.
Hihi. Ça va être trop stylé. Il est trop cool ce combat. J'arrive pas à parer. Oui, j'ai Flambert, j'ai oublié. J'avais jamais eu cette attaque avant. Ah, je lui ai pété son arme. Elle me touche quand même. Bah dis donc, je m'en sors pas bien du tout. Qu'est donné. C'est tragique son histoire. C'est quoi déjà? Ah oui, c'est ça. Coucou. Ouf. Je vais pas mytho, j'aime pas du tout les masques. Sad. Ah.
Ouais, là-bas, je peux pas. J'avais pas mal d'arco. Merci. Bon, en plus je peux améliorer, je pense. L'épée. Un peu plus. Le raccourci. Bonjour. Ah mais il a tiré, je suis bête. C'est la gourmandise. Voilà, par contre, c'est un peu débile. Parce que voilà, il y avait un... un Stargazer juste à côté et je l'ai pas pris par la gridance. Le grid. Pêcher. La caméra qui m'a troll. Dégage. Ah non, elle est pas morte. Elle est pas si bon. Ah, ils abusent. Pardon. Laissez-moi approcher. Bonjour. C'est casse-pied. Hein. C'est là que le fil de marionnette aurait été un peu cool. Je me disais, on va péter ça.
ça par contre, oui. Oh cool. Hello. J'entends de ça? Non. Ok. In a place like this, you must be a stalker. Can I ask you a favor? My wife's body lies on Rosa Isabel Street. There was a fire, and I couldn't reach her through the flames. I know she's gone, but I hate to think of her just lying there. Would you bring me her belongings? Then I'd have something to remember her by. Oui, oui. Thank you. Small kindnesses like this give me something to cling to. Her body is on Rosa Isabel Street. She used to look so beautiful in her black dress. I miss her so much. Every day is harder than the last. Please, bring me her belongings. Oui, bien sûr, mon ref. T'inquiète. On va récupérer quelque chose de ta femme. I know my way around a weapon. Hop. Kaboom. Voilà, il est au max. Pour l'instant, est-ce que je vais me fabriquer un autre bras. Jamais jouer avec ça. Technique c'est B, mais il est lourd. J'avais joué moi avec le Pandemonium. J'avais bien aimé. J'aimais bien l'animation du bras. Mais j'ai jamais testé ça, donc je vais le faire. Et alors, je voulais pas faire ça. Changer de bras, je vais voir à quoi ça ressemble. Ouh, c'est fat. Alors ça fait quoi? Ah, faut que je t'aie sur l'autre. Je me mets devant toi. Alors je sais pas si c'est fort ou pas. Un petit truc en bas à gauche. Attends. Ça part obligatoirement. Parfaitement. Je sais pas. Je vais lire. Parce que... Alors. Ah d'accord. C'est ça le truc qui se recharge, c'est qu'en fait ça. Ah oh, ça peut être sympa. Sauf que je vais récupérer Filminis. Et
maintenant. C'est quoi ce son? J'ai un son trop bizarre. Augmenter un peu la capacité. Je n'ai pas d'autre. Ah bah. Demandez ma technique. Je pense que ça sert réellement à rien. Je ne sais pas. Hop. Faudrait que je demande à des joueurs de Soul. Si au bout d'un moment c'est intéressant de d'égaliser tout ou pas. Et si j'augmente, je prends plus 10 quand même. Plus 2 et 1 après. Ça pourrait être sympa de faire une run full vita aussi. Là, je prends 4 d'endurance. L'endurance avec l'autre amulette, ça peut être réglé. Augmenter l'attaque pour l'instant. Oui, pardon. Excusez-moi. Je suis vite en besogne. Non. Je vais chercher les fruits. Ce serait con de pas les récupérer alors qu'ils sont prêts. Je suis désolée, je suis un peu malade. Hein. Depuis plusieurs jours. Ah, alors. Alors je vais faire une pause de 5 minutes. Je vais vous laisser avec les CD. Ah bah en plus. Je crois que je les ai pas tous écoutés. Divine Service, c'est comment elle s'appelle? C'est Cécile qui la donne, donc non, donc Someday. Je vous laisse avec Someday, moi je fais une pause de 5 minutes. Enfin, il y a peut-être moyen que je sois revenu avant la fin du CD. J'arrive. Thank you.
Écoute mon cœur, je t'attendrai même. Si j'ai mal au cœur, pour que tu puisses entendre ma petite voix, je t'attendrai. Je t'attendrai. Bon bah j'ai pris un peu plus. Du coup, je pars du principe que on a eu le petit effet de l'ergot. J'imagine, je reverrai de toute façon à la VOD. Bah, I'm ready. J'en ai profité pour pet mon chat. Il avait besoin de petits câlins. Hop. Et bien on est parti. Cette zone-là, je ne l'aime pas. C'est la zone pour les croissants de lune, hein, ici. Un plaisir d'être claustrophobe dans ces moments-là. Pas du tout, hein, c'est pas très agréable, to be honest. Ah oui, c'est vrai. Bonjour. Thank you.
c'est de l'overkill. Okay. Let's go. Mali. Le quartz c'est cool. Je crois qu'en plus j'ai zappé. Je crois que je dois en avoir deux. Ce qui m'attend là, j'aime pas. Allez, viens là. Boom. Ah, j'ai cru. Cette zone-là, je la connais. On va la refaire très souvent, je pense. Moi j'ai le Stargazer ici qui est ouvert. Allez, on va prendre notre fessée. Ah, il m'attend. Mmh.
Changement d'ambiance. Oh là là là. On va essayer de la porter. X. Il faut pas que je dépasse. Cinquante-quatre, je pense. Vous êtes 55 du coup. Monsieur a des goûts très particuliers. Dans l'amour, quoi. Et le petit. Pouf. Je sais pas à quoi ça sert les pierres de lune sombre. This is her wedding ring. Our marriage should have been filled with joy. I failed you, Melody. I'm sorry. I should have mentioned she's a puppet. But she was real to me. I saw a shining soul inside her. Others laughed at me, but I knew the truth. I knew that she was in love with me too. Maybe I'm crazy though. Who ever heard of a human and a puppet in love? Ouais, sympa. Oh, Melody. My Melody. Your words were everything to me. She was my guardian angel. The reason I survived the Krat disaster. Even puppets have hearts, do they not? Perhaps all we need is something that helps us perceive what they're feeling. Sorry. I ramble when I get upset. Here's your reward. I think you deserve this ring more than I do. I'm more than happy with Melody's belongings. I wish I could offer something more, but this is all I have. Please. Remember the love Melody and I shared. Who knows? Maybe you'll find true love one day too. Ouais. Il y a trop de moyens.
On a chopé la Twisters. Et du coup, la petite alliance. Sausade. Petit pincement au cœur quand même. Aïe 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 aïe. Hello, motherfucker. The portrait hanging in Geppetto's. Ah voilà. It looks very much like you. I sense something strange. Something like the changes you're going through. The sort of thing you'd read in a fairy tale. Go to Geppetto's room. You should see it for yourself. C'est ce que je voulais vous montrer. C'est rigolo. Non, le chat il est pas revenu. Je sais pas où il est le chat, je sais pas s'il se balade. Attention. Ouf. Coucou. Et ouais. Ouais, j'ai mytho. J'ai passé mon temps à mytho. Hein. Mais après, c'est pour le bien des gens. I'm glad you're here, my son. Have you seen that? Pas qu'il le sache, hein, Geppetto. I can't believe my eyes. It's almost as if something is growing out of the portrait. I remember commissioning that piece from an artist named D. Gray. Like all artists, he was eccentric. He claimed that a painting could harbor a living soul. But how can that happen? Just like the fairy tale. Forgive a foolish man his ramblings. Perhaps the seed of its growth was there all along. I know you're curious, so see for yourself. I have my work to keep me busy. L'idée du tableau, je trouve que c'est une superbe idée. Ce qu'ils en ont fait avec le délire des mensonges et de pas mentir, c'est vraiment trop cool. Enfin, moi j'aime beaucoup. Hop, les fables. Alors, tac. Je vais prendre la charge renforcée. Enfin, les charges de fable renforcées. Enfin, une garde perfect. Hop là. Ah, l'emplacement de ceinture, je sais pas si ça va m'aider. Utilisation du cube aux F-tiers, et ça pareil, donc je prendrai que ça en phase 3. Et je prendrai ça. Esquive montante. Later. Mais alors, ça c'est magnifique quoi. Gucci. Oui. J'ai que 4000. N'ai pas d'eau, tu sais, mais... Hop, les... Allez, on va prendre ça, pâté.
Alors, t'es parti. Je sais par là. Si tu viens pas, je viens pas te chercher. Je pourrais aller chercher. Ouais, je vais changer de respawn. Putain. J'avais pas pris ça. Ok. Je vais changer de, ouais, de respawn. Bah, j'avais. Il y a dû avoir un bug parce que je l'ai pris tout à l'heure. Je vais aller prendre là-bas parce qu'il y a moins de mobs. Ça va être moins chiant faire les allers-retours. Bonjour. Passage, ça fait l'ergo. Coucou. Que j'ai pas hâte. Voilà, hop. On va courir. Mais il faut... Ouais. Il faut que je me les fasse, eux, parce qu'ils vont venir me saouler. Aïe. Coucou. Bonjour, hein. On le voit arriver au fond. Qu'il est. On va. Ah, c'est vrai. Oh non.
Alors, quand j'avais combattu, moi j'étais allée beaucoup plus en retrait derrière, j'ai pas eu le temps d'y aller. À cause de l'autre là avec son lance-flamme. Ah, j'aime pas ce combat. Non, le feu, ils s'en foutent. Par contre, j'ai l'accumulateur de lancer. Putain. J'espère que l'autre là-bas il va pas revenir. Je sais pas si je peux changer de pierre à aiguiser et prendre une électrique. Allez, reprends ta boule. Si je surchauffe, c'est mort. Bon, ok, je suis dead. Je l'ai cool. Ah, la patience. J'en ai pas. J'ai 8000. J'aime vraiment pas le feu. Ouh. Faut savoir que j'ai très faim. Non, c'est bon. Oh là là, mais c'est qui va vite? J'ai pas le je me rappelle plus le timing. C'est bon, je l'ai. Et l'autre.
ça qui est trop chiant. Ah, je suis pas touchée. Okay. Un peu gênant. Bah reviens. Où? Oh la petite vengeance personnelle. Non mais où est? Je suis contente, je m'en sors beaucoup mieux que ma première partie. C'est une petite victoire pour moi. Enfin, plutôt une grande victoire. Vengeance. Hop. Et là par contre cette zone, ça va être compliqué. Donc ça va être simple. C'est moi dans ma partie, j'étais quasiment, enfin j'étais ici, juste un tout petit peu après. Après cette zone, enfin, j'ai fini cette zone et j'étais au niveau du boss. Voilà. Le boss qui. Ouf. J'ai jamais réussi à le battre, tout simplement. Mais on est dans la zone. Avant d'y entrer, je vais retourner à l'hôtel. Ok. Il me paraissait un peu gros. Alors, du coup. Comment je vais pouvoir me buff?
À 3, lui. Ça passe. Bon. Je peux la mettre là où je pense. Je fais quoi? Est-ce que t'as quelque chose à me dire? I always welcome friends. No one, not even I, know what started the puppet frenzy. Why? That day of all days. Ah, it was horrible. A violent rampage of murder and mayhem that is seared into my memory for all time. And it was never supposed to happen again. I made sure of it. Designed a few special parts to ensure they'd remain loyal. Puppet armies do not arise by chance. There was intent behind this. I don't want to leap to conclusions, but the only one I know with that kind of power is the King of Puppets himself. We need to learn how this happened. Je suis sad parce que j'aurais pensé. Je vais mettre une pierre à aiguiser. Je peux pas. Dommage. Est-ce que tu revends des nouveaux trucs? Ok, j'ai rien dit. Bon, allez, on va la mettre. Voilà. J'ai pas le truc de demi-lune. Dans la zone où je suis. Une idée de comment ça s'utilise. C'est peut-être pour les très grosses armes. Bon allez, on va faire la zone qui va être horrible. J'ai des petites choses à faire. Allez, on entre dans l'opéra. Il est trop beau le bâtiment. Open the door! J'aurais pu mettre un des quartz. J'ai pas fait. Alors, j'aime pas du tout. Je
Et descendez, mesdames. Faut savoir que si cette barre-là arrive au max, je suis dead. One shot. Et en plus, elles font des dégâts de porc. Vraiment, je déteste cette zone. Je pense que cette zone, elle est clairement en train de te dire. Alors, t'as pas les bonnes armes. Tu vas prendre des fessées. Et... Je suis arachnophobe. Et il y a ce genre de créature. Elle est toujours aussi buggée aussi, elles sont tellement grosses mais... Ah, ça me dégoûte. J'aime ni les poupées, ni les araignées. Ah oui. Les problèmes. Je vais la mettre parce que... nous soufflâmes. Je peux éviter que je me fasse OS. Bon, je vais juste faire ça, mais... Oh, who are you? You're not a puppet. Are you here to listen to my music? I can't sing anymore. This petrification disease took away my songs. Riddles. I was fooled by him. He said this place was a shelter. Patricia, I'm so sorry. Patricia, qui était la dame blanche qu'on a tuée. Oh, Patricia. I'm so sorry. I'm parched. Just a taste of fruit. Oh, thank you. Oh, this is the sweetest apple I've ever had. I can't stop death from taking me. But I have enough strength to confess my sins. Can you listen to my last confession? Patricia, I coveted your voice. If I can't match it, then even if I have to break you, Adelina Corday must have it all. I know it's wrong. But still, I love you. Ah, tragique. Voilà, voilà, au revoir. Hein. Allez mourir en paix. Hein. Après avoir mangé une bonne pomme. Mais... Vous irez descendre, mesdames. Oh là là.
Mais attends, après me déprime. Oh là là, c'est chiant. J'en ai des frissons. C'est pas le seul souci que je vais avoir ici. Bonjour. Ça pue. Hein. Comment ça les a tous fait venir chez Ilsem? C'est bon. Donc entre guillemets plus que les petites sont passées où? Ok. Moi ça me va. Hein. Ah bah. Envie de descendre. Pareil, il y a le truc de la Trinité, je crois. Ah non, c'est pas là. Déjà. Je sais pas si elle est bien, elle, on va la tester. Et ça, ça passe. Ça m'augmente à combien? 38 de tech. Je sais pas si c'est bien ou pas. Mon arme fait combien du coup? Si je peux voir. Ok, 180 plus 113. 113, je sais pas si c'est là. Je fuis. C'est vrai que c'est choc, elle.
Non, casse-toi. Oh shit. Bon bah je voulais pas faire ça. Tant pis. J'ai plus de quoi me protéger. Je prends un coup, je date. Ah il a pioche. Je sais pas si elle explose toujours vraiment cette pioche. J'aime pas les gros gourdins entre guillemets. C'est tellement tragique. Tout est tragique dans ce jeu. Ça, je vais aller go back là-bas là. J'en ai plus des petits, j'en ai encore en stock. J'en ai plus. On va tac tac prendre ça. Bon. On va tester le combat une fois. Qu'une seule fois, ouais, parce que je vais aller descendre là, finir. La porte de la Trinité elle est là du coup. Excusez-moi. Et on va ouvrir le passage à droite. J'avais pas vu. Je vais prendre l'autre raccourci, je vais retourner à l'hôtel.
Allez, cours. Donnez la petite bobette. J'ai que 4000, ça va pas me suffire. At the house of Anini, Master Vanini carefully curated this collection box himself. With it, you have returned to us what was stolen. You have our gratitude. The house of Vanini always keeps a few special items in the private reserve, sir. Only for our more discerning patrons, of course. The house of Anini. Tu revends quoi? Ah oui, c'est vrai. Stylé. Carcasse, c'est cool. Et d'accord, ça fait des dégâts. Hein. C'est dommage que. Ouais. Voilà, voilà. J'ai assez? Je crois pas. Ouf ouf. Allez, on va essayer une fois. Au moins la P1. La P2, j'ai jamais réussi à comprendre. Allez. Et la paire, il y a des choses que j'ai du mal à comprendre. Bon. C'est parti.
un petit peu violent. Il voulait être gentil. Quand je vois la cinématique à chaque fois, je suis un peu triste. J'ai pas réussi à lire. Il voulait être sympathique avec nous. Faut que je me rappelle des... Je trouve le combat hyper fluide. Je sais pas, il y a un truc hyper majestueux dans ce combat. Laisse-moi m'approcher, s'il te plaît. Bon, la P1 ça va, c'est la suite qui pose problème. Ah. Trop mal au cœur. Son arme est trop stylée. Je suis jalouse. J'arrive pas à savoir ce que tu me dis. Fait mal, hein. Il est en feu, je pars du principe, il faut pas le toucher. C'est la première fois que j'arrive aussi loin dans ce combat. Bon, je réessaye une dernière fois, puis après je m'éclipse.
J'en ai plus. Ça m'a bien aidé. C'est quoi ça? Et c'est de l'acide. Ok. Ridicule. On va prendre l'acide. Hein. Oui. Je commence mal. Je sais pas si utiliser Fulminis, je m'en souviens. C'est trop triste. Oh. Ok. Ouais, il avait décidé de pas vouloir être sympathique. Wally. Hop. C'est l'heure. Je suis content, j'ai failli le first try. Si j'avais pris mon... Comment on appelle ça? Si j'avais pris le pulsateur, catalyseur, bah, la vie quoi. Je m'en serais sortie, je pense. Je pense que j'étais vivante et que je le tuais, pour le coup. Bon bah voilà, j'ai rattrapé en 4 jours. Quelques sessions de 2 heures, 3 heures. Jusqu'où j'étais rendue. Donc là, j'étais bloquée à ce boss-là parce que j'arrivais pas à le passer. Surtout la P2. La P1, de temps en temps, je mourrais bêtement parce que je fais pas attention. Mais là, du coup, je suis rendue au même, même moment où j'en étais avant. Je suis contente. First try les lapins. Parfait. C'était une très bonne session. Je suis contente. Moi, je veux pas vous maintenir plus longtemps. Je vais m'en aller. J'ai des choses à faire. J'augmente la musique. Puis moi, je vous dis à bientôt pour un prochain live et pour la suite. Ciao, ciao!
treasurer